Ah! Bah oui, parce que nous on est censé protéger son corps, c'est vrai. Reste en arrière, petit familier. Je ne montrerai pas de pitié envers toi si tu te dresses sur mon chemin. Ah, t'as de la pitié. Elle te sous-estime, Hammer Knight. Hammer Knight? Montre-lui ce que tu sais faire, Hammer Knight. Atomise cette peste et fais-la crier pour ta pitié. Ah! D'accord. Non, je voulais pas faire ça. Alors, c'est la vie. Ok, ça weakness, c'est ça. Je vais y arriver. Et on subit des dégâts. Alors, comment lui enlever son truc? Je peux lui faire des dégâts, mais faut pas que je l'approche trop, quoi. Elle recule en plus, hein. Oh, nice. Ok, ok. J'invoque mes potes. Ah, je peux en invoquer 8. Marqué dans le log. Aïe, ce coup-là il fait mal par contre. Ok, ça c'est pas... ça, on s'enlève pas le bouclier non plus. Ok, très bien. C'est enregistré. Je tombe dans ce coup-là, hein. Il fait trop mal. Oh là, c'est quoi ça? Ah. Ça me suit un peu. C'est le fait qu'elle recule qui est assez chaud. Saleté. Elle est forte, elle est forte, elle fait mal, hein. Bon. Aïe. J'ai coûté mon cher. Ah oui. Mais son bouclier est énorme. Vas-y mes potes, prenez l'aggro, je me suis trompé de touche. Je crois que je me trompe de touche comme ça, c'est interdit. Allez go. Allez les potes, allez-y. Pas se défendre contre tout le monde en même temps. Par contre son bouclier était vraiment terrible. Hein. Voilà. Je suis allé au mauvais moment. Nice. Très très bien. On va rien moquer, hein. Ok, go. Je vais utiliser plutôt le marteau. Ah, mais c'est les dégâts magiques qu'elle fait. Sans doute, c'est une mauvaise idée. Ça va, je vais bien.
Ah oui. Oh non. Oh non. Ah, elle s'avance derrière. Voilà, elle est forte, hein. Elle voit clair dans mon jeu. On va utiliser ça. Ça m'atteint pas, c'est bon. C'est quoi, c'est ça? Go, les potes. Ouais, pas mal. Juste que je mette les deux premiers coups. Non. Nice. Oh, c'est le moment. J'ai pas assez d'AP. Non, c'est terrible. Donne tout ce que t'as, donne tout ce que t'as. Oh oui, oh, c'était le moment. Go, les Toshka. Ok, c'est pas sur moi. Tout va bien. Go, 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 go. Oh non, c'est loupé. C'est loupé. Oh, les ciseaux géants. Oh non. Ah non. Ah non, c'est pas le moment. Pas comme ça. Pas comme ça. Go, go, les potes. À moi, ami Toshka. Oh oui, un triple coup de Burin là. Aïe. Chien. Voilà, c'est quoi ça? Ah. Paf. Oh, paf. Oh oui, c'est le moment encore. Oh, si j'avais des points pour faire la compétence, ça aurait été magnifique. C'est pas grave, c'est pas grave. Ok, ok, elle a presque plus dit. Ça se passe bien, on utilise beaucoup d'objets, mais ça se passe bien. C'est un bon boss. Beaucoup de plaisir. Très bien. Non, 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 non. Ok, ça va. Ça passe pas loin. Hein. Les scalpels et les machins, là. Du coup, elle se bat plus ou moins avec des scalpels, des objets de chirurgie, quoi. Je préfère éviter. Oh oui. Oh oui. J'ai évité. Ah, elle est vaincue. On l'a eu. Bravo, ami Toshka. On l'a eu. Sacré combat. Stage clear. Ah, quelques petits épiques, là. Merveilleux. Ah, tu as très bien fait, Hundred Knight. Oh, quoi? Que s'est-il passé? Une Valkyrie sacrée a perdu. Oh, je n'ai même pas eu besoin de lever un doigt. C'était rien d'autre qu'une grande gueule. Arrêtez. Laissez Dame Gabriel s'en aller. Prenez-moi à sa place. Non, vous ne devez pas. Dame Gabriel, s'il vous plaît. Vous avez déjà sauvé ma vie. Je savais que j'étais destiné à l'utiliser pour sauver la, sauver la vôtre un jour. Comment pouvez-vous? Désolé, mais... ça commence vraiment à devenir niais. Bon, eh bien, maintenant que notre petite discussion est terminée, il est temps pour l'événement principal. Suis-moi, Hundred Knight. Et parce que nous, on voulait juste passer en... Et maintenant, commençons la vivisection. Oui, c'est vrai qu'on voulait faire quelque chose une fois qu'on y était passé. J'espère qu'on n'aura pas d'image de l'opération. On va faire éviter. Ça pourrait très vite devenir très glauque. Mais on est sur du 12+, donc ça doit être plus gentil dans le propos que le premier jeu. Nous sommes maintenant au quartier général des Chevaliers Blancs.
Très beau bâtiment. Hein. C'est le pentagone, mais version 4K, 4 côtés. C'est le quadrigone. Nous sommes maintenant à la porte d'entrée. La porte de devant. Avec Amalie devait aller là-bas, enfin son rapport. Il y a une ligne de. Une queue de gens qui a l'air d'être sans fin qui sort des portes. Oh, il y a tellement de gens. Comment est-ce que je vais pouvoir entrer? Et vous? Interdit de couper la file. Aller à la fin de cette dernière. Moi? Oh non, je ne faisais pas la queue. Non. C'est ce qu'ils disent tous. Non, vraiment. Je ne faisais pas la queue. J'ai des affaires à régler à l'intérieur. Tout le monde ici a des affaires à régler à l'intérieur. Ils font la queue depuis des heures pour avoir un traitement des Valkyries sacrées. Je ne te laisserai pas couper la file. Un traitement des Valkyries sacrées? Ah, je veux voir ça. Alors, mets-toi dans la file, s'il te plaît. Quand ce sera ton tour, tu pourras passer. Passer? Est-ce que ça suffirait? Un document de service distingué? Êtes-vous une Valkyrie sacrée? Oh, je suis tellement désolé. Je suis nouvelle. Je ne connais pas encore tout le monde. Veuillez excuser ma grossièreté. Moi-même, je suis juste... vous êtes une Valkyrie sacrée? Juste apprenti, hein. Où ça? Vous? Où est la Valkyrie sacrée? Je devrais y aller, désolé. Et les Valkyries sacrées, c'est quoi? C'est des des stars de concert de J-pop ou comment ça se passe? Pourquoi tout le monde veut passer devant la Valkyrie? C'est pour faire des opérations aussi? Je crois que ça prenait du temps de faire une opération, hein. Ils ont pas tous la maladie. J'imagine qu'on va en savoir un peu plus. Il y a une longue file de citoyens sur le chemin vers la porte centrale. Les gens sont excités. Les gens montrent des visages excités dans la foule. Ah, c'était vraiment chaud. Ah, les Valkyries sacrées sont vraiment incroyables. Non seulement... Enfin, voir toutes ces personnes faire la queue comme ça, pleine d'espoir, ça fait presque peur. Je suis juste contente qu'il n'ait pas remarqué, enfin qu'elle n'ait pas remarqué, que je n'avais pas le moindre tampon sur ce document. Ah oui, genre on a un doc, mais il n'est pas encore signé, quoi. On est en phase, comment on appelle ça, là, les phases de test dans les contrats. En mode, ouais, c'est pas encore vraiment signé, mais je peux venir bosser, si tu veux. Allez, juste encore un mensonge, j'imagine. Un mensonge de plus. Je ne peux pas me laisser attraper maintenant. Mille m'a besoin de moi. Mais on est là pour quoi? Je crois que c'était pour faire un rapport, un truc comme ça. On devrait être entendu, non? Pour ça. Bonjour. Suivant. Vu la tenue, ça doit être une Valkyrie sacrée, elle aussi. Hein. Avec le chapeau. Dans tout le même chapeau. J'ai mal au dos et... Vous n'avez pas besoin de parler, d'accord? Laissez-moi tout simplement vous toucher. Rythme du cœur stable, pression sanguine anormalement haute, le flux sanguin est légèrement obstrué, quelques signes de jaunisse. Infirmière, veuillez escorter cet homme en salle d'opération, et il montre des signes de néoplasme. Et le kidney, c'est quoi? Le kidney, c'est le foie, je crois. Son foie doit être enlevé. Je crois. Hein. Enfin, un néoplasme sur le foie qui doit être enlevé. Vérifions. Mais je crois que le kidney...
qui naît, c'est le foie. Ah non, c'est un rein, pardon, c'est un rein. C'est un rein. C'est un rein, donc il a un néoplasme sur le rein qui doit être enlevé. Oui, madame. Veuillez venir par ici. Sûr. Madame Lisa, cet enfant a eu une fièvre brûlante toute la nuit. Silence, s'il vous plaît. Viens ici, l'enfant. Oui, madame. Infection virale de la respiration. Droplet. Non mais... Faut que j'apprenne toutes les maladies et tous les machins pour jouer à le jeu, c'est ça? Droplet. Gouttelette. Transmission par gouttelette. Il va falloir de l'isolation. Oui, il a la grippe, quoi. Tu dois beaucoup souffrir. Tu es un jeune garçon très brave. Tout ira mieux si tu bois ce médicament et que tu te reposes à l'hôpital des Chevaliers Blancs pendant 5 jours, d'accord? Ok, merci. Par ici, mon garçon. Et vous aussi, madame. Ah, merci beaucoup, merci beaucoup. Ouais, parce qu'en plus, ça doit être un monde où il doit pas y avoir non plus des médecins qui courent toutes les rues, quoi. Visiblement. Impressionnant. Elle peut faire le diagnostic des gens rien qu'en les touchant. Mais j'imagine que ça ne m'aide pas vraiment à trouver un moyen de traiter de la maladie des sorcières. Ah, je devrais me rapprocher un petit peu. Lisa continue de diagnostiquer les patients rapidement et avec compétence. Et la longue ligne de patients finit en un temps record par disparaître. Madame Lisa, c'est le dernier patient dans la ligne. Le ulna, c'est quoi le ulna? C'est l'être? Oh, l'aine, pardon. Ulna. Ulna, ah bah apparemment c'est le cubitus ou le ulna. C'est un os. C'est le plus long os de l'avant-bras. Voilà, vous le savez maintenant. Une fracture interne de l'ulna, ou du cubitus. Ah, je ne peux pas encore déterminer le type. Veuillez relâcher votre bras. Oui, madame. Oh, ça me fait plus mal. Je suis guéri, merci. J'ai réussi à finir avant le sermon de la destinée. Merci beaucoup pour votre dur travail, Madame Lisa. Ah, la fameuse Lisa, c'est... Gabrielle parlait de Lisa quand elle parlait à la gamine et sa mère dans la branche bleue. Ah, c'était une démonstration impressionnante, comme toujours. Merci. Je vous laisse le reste. Je vous laisse vous charger du reste. Elle a l'air ouf. Je comprends pourquoi on dit que c'est la meilleure doctoresse de l'organisation, quoi. Incroyable. Non seulement elle diagnostique les patients rien qu'avec un toucher, mais elle peut également les traiter. Mais comment? C'est vrai que ça ressemblait beaucoup à de la magie, quand même. Hein. De type sorcellerie, voyez-vous. Sorcière blanche, comment ça se passe? Ah, tu es la fille qui faisait la queue. Est-ce que toi aussi, tu as été touchée par la magie de Madame Lisa? Ah, oh, je me souviens de vous avoir vu à la porte. Est-ce que Lisa n'a pas dit qu'il n'y avait rien du tout de qui n'allait pas vous concernant? Vous ne voulez pas rentrer chez vous? Mais de quoi tu parles? L'événement principal ne fait que commencer. Enfin, il va commencer. Est-ce que quelque chose va se passer?
Ah, tu as fait tout ce chemin et tu ne savais même pas. Lord Théodore va faire son fameux sermon du destin. Sermon du destin? Non mais... on est arrivé dans l'organisation, on ne sait rien du tout. On en sait moins que les villageois qui vivent à côté, quoi, c'est incroyable. Ah, tu ne sais vraiment pas. Lord Théodore va nous bénir avec des mots venant du futur. Et il ne parle pas tant que ça aux simples gens comme nous, alors c'est un jour spécial. J'ai même prétendu être malade pour pouvoir m'approcher davantage. Ah, vous avez fait semblant ? Oh, la plupart d'entre nous... La plupart d'entre nous, ici dans la cour, ont fait la même chose. Vraiment ? Ah bah c'est pour ça que ça allait aussi vite aussi, hein. Oh, il est là. Oh, il est là. Est-ce que c'est le vrai ? Est-ce que c'est un sosie ? On ne sait pas. Oh ! Ah, lui, il a une tête de Jack, lui. Lui, il a une tête de... j'ai du charisme. Je vais vous rouler. Lui, il a une tête de filou, hein. Des cris de joie... Des exclamations de joie apparaissent dans la foule alors qu'un homme apparaît lui-même sur le balcon. Tous les visages ont une expression d'attention totalement capturée. Oh, c'est Lord Théodore. Ah, là, moins. Là, il a moins le côté « je vais vous rouler ». Quand il ouvre pas les yeux, c'est bon. Comme il est écrit dans le livre des 10 000 poèmes. La bête à 6 yeux ouvre sa bouche à la limite de la terre abandonnée, de la terre dévastée, là, le terrain vague. Mais de la même manière, quand vous écoutez, le mal se... Comment dire ? Le mal ressort. Le mal arrive. Ça ne veut rien dire. Mais très bien.